1949, l'école primaire Léon Baudelot est bien remplie, car c'est le temps des grandes familles arcaises. Depuis mai 1920, en effet, la France récompense les femmes qui ont le courage de mettre au monde, élever et inculquer une saine éducation morale. Comme pour exemple, en 1937, 34 familles arcaises reçoivent la médaille de la famille française, soit or, argent ou bronze. Pour un total de 206 enfants, cette année 1937 sera l'année record. Serait-ce l'effet de l'été 36 ? Le patronage du jeudi est assuré par l'abbé Fissé et Marguerite Mallet, tandis que les cadets-cadettes sont sous la coupole de la cellophane avec Mademoiselle Castanet. Les kermesses ont lieu dans un pré fermé, en place de la RPA actuelle, avec le fameux mât de cocagne, si mes souvenirs sont bons. La viscose se transformera. De 1955 à 1965, l'usine s'agrandit et se modernise. Mais les opérations de fabrication n'ont pas changé. Trempage, pressage, dépolymérisation, sulfuration, dégazification, maturation, passage en filière, bobinage. En 1965, l'usine occupe une superficie couverte de 26 000 m², emploie 400 personnes et fournit 5 760 000 km de fil par jour. En 1962, la société La Cellophane, regroupée avec CTA, ancienne viscose, dans le groupe Celtex, puis Rhône-Poulenc, installe sur le site une usine spécialisée dans la fabrication du papier héliographique pour la reproduction de documents qui remplace les bleus d'architecte par le procédé Regma. On fabrique dans l'usine non seulement le papier mais aussi le matériel d'utilisation, machines à reprographier et accessoires. Tandis que dans le domaine de la reprographie, Regma pulvérisait les records, ceci sans oublier l'attention de tous ces industriels portés à leur personnel, logements, jardins ouvriers, colonies de vacances, un dispensaire de soins, mais aussi sport, activités culturelles. C'est aussi à l'époque où, dans le cadre du plan textile au niveau européen, qui prévoyait 400 000 emplois dans la profession, tenant compte aussi de l'augmentation considérable de la productivité et des nouvelles fibres textiles chimiques qui se développaient, Rhône-Poulenc réduisait ses effectifs de manière importante dans les textiles artificiels. Et la CTA Arc était particulièrement menacée avec ses 350 salariés. L'implantation de la cellophane dans l'enceinte même de la CTA visait aussi pour une part à compresser la perte progressive du nombre d'emplois. Le 26 mars 1905 a lieu le premier match entre le Football Club Viscose et l'Union Vélocipédique de Petite-Ville. Tout à fait, Léon. Il faudra attendre mars 1912 pour assister à la première rencontre de l'étoile sportive arcoise, dont le président était Albert Toubi et
et le vice-président Paul Bonneleu. Tout à fait, Léon. Club amateur part de la région liépoise, plusieurs générations de jeunes footballeurs et de formateurs de talent s'y sont succédé. Pour nous donner un champion du monde 98, Emmanuel Petit. Tout à fait, Léon. C'est entre 1960 et 1965 que les autres usines implantées à Arc avaient fermé. La transformation du charbon et la distribution, la menuiserie industrielle, licenciant tout le personnel. C'est donc dans ce contexte que la Cello, c'est ainsi qu'on appelait l'usine la Cellophane, s'est installée à Arc. C'était pour l'opinion publique le sauveur. Et Ron Poulenc restait le plus gros employeur d'Arc. 350 salariés à la Cello, 360 à la CTA. Ayant mobilisé tous les terrains industriels existants, qu'il laissait en friche. Empêchant ainsi d'autres implantations industrielles, dont Renault, qui avait l'intention de s'installer. Possédant des centaines de logements pour le personnel, un dispensaire de soins, assuré par les Sœurs de la Compassion, qui, à l'origine, soignait les pauvres gratuitement. Une centaine d'hectares de terrains agricoles et à bâtir. Une ferme pour la distribution du lait, auquel s'ajoutait la mainmise sur de nombreuses associations sportives, musicales, charitables, etc. En développant ainsi un certain chauvinisme arquais autour de Ron Poulenc. Certains de ces terrains disparaîtront lors du creusement des étangs devant la cité CTA en 1991. Au paternalisme de Ron Poulenc, installé à cette époque depuis plus de 60 ans à Arc, où la municipalité de toujours était dirigée par un patron jusqu'en 1965, et ensuite par le colonel Henri Schmett, héros de 14-18 et combattant également en 39-45, maire élu en avril 60 et en mai 65, mais qui chutera en mars 71 contre Guy Sénécal. Après la guerre,
la section basket de l'ES Arc a redémarré. À cette époque, il jouait à l'extérieur, sur un terrain en mâchefer avec un ballon en cuir. Les jours de pluie, c'était folklorique. Le sol n'était pas très dur, le ballon était lourd et les flaques d'eau ne facilitaient pas les dribbles. Et bien sûr, pas de douche après le match. Le terrain se situait à côté de la salle de basket actuelle. Dès l'arrivée de l'usine La Cellophane, les conditions de jeu se sont nettement améliorées. Le terrain a été goudronné. Ce n'était pas le grand luxe, mur blanchi à la chaux, sol au macadam, éclairage et douche, mais cela leur permettait d'être secs et de s'entraîner le soir. Cette salle se situait dans la voie privée, à côté du terrain de football du Pré Saint-Étienne, à la place de la maison de retraite actuelle. Par la suite, une équipe féminine a été créée avec Annie Goss, Betty Morel, Monique Etroit, Antoinette Rioux, Colette Desgrumel, Christine Monchy, Françoise Lequien. L'équipe première a évolué dans les catégories promotion d'honneur, honneur, promotion d'excellence, excellence régionale. Lorsque le gymnase municipal a été construit, les effectifs s'étaient affaiblis à cause des mutations professionnelles et de l'âge des joueurs. C'est la génération des frères Copin qui a pris la relève. Et ce fut le mouvement de mai 68. Le 13 mai, il y eut l'appel de la CGT contre la répression policière à Paris. À 4h30 du matin, devant l'usine, les militants informaient le personnel du premier poste. À 7h30, quand les journées normales sont arrivées, les salariés du premier poste les attendaient à la grille. Ensemble, ils décidaient la grève pour toute la journée et organisaient le cortège pour participer à la manif de Dieppe. 4 jours plus tard, le vendredi 17 mai à 20h30, ils étaient les premiers dans la région diepoise, les gars de la Cello. Dès ce moment, les choses se sont déroulées comme prévu. Pour ce qui concerne la CELO, les salariés de la CTA y ont décidé la grève avec occupation le lundi suivant. Un coup de sirène avertissait les harquets. Des tracts étaient imprimés avec distribution aux harquets et sur la voie publique. Une lettre aux commerçants qui vivaient du salaire du personnel leur était remise pour participer à la solidarité sous toutes ses formes. Un restaurant d'entreprise était ouvert avec les moyens du bord, avec du matériel emprunté à un restaurateur. Le samedi matin, nous demandions à être reçus par le maire pour qu'il convoque en urgence le conseil municipal avec à l'ordre du jour une intervention du conseil municipal pour que rapidement s'ouvrent des négociations. La gratuité de la cantine pour tous les enfants de grévistes. Le dimanche matin, devant une salle comble, le conseil municipal se réunissait. Motion de soutien pour l'ouverture des négociations et gratuité des repas à la cantine scolaire ont été votés à l'unanimité. La Cellophane a été créée en 1915 à Bezons, toujours par Ernest Carnot, faisant partie évidemment du groupe du CTA, mais en disposant d'une grande autonomie. En 1960, la société possède une usine à Mantes, Cellophane, à Bezons, le façonnage, Croisy-sur-Seine, les tissus enduits, Arc-la-Bataille, reprographie, Saint-Maurice-de-Bénois,
et les sites Maréchal. Après l'incendie du 19 février 1970 dans l'usine Cellophane de Beson, située dans le Val d'Oise, et étant donné la dangerosité de certains produits stockés à l'usine Rotpoulenc Système, l'équipe de sécurité commandée par messieurs Angers et Lefebvre ajoute à ses exercices mensuels une manœuvre annuelle en collaboration avec les pompiers du centre intégré local et ceux de Dieppe. Cette grande manœuvre s'est déroulée dimanche matin pendant 2 heures. Les pompiers volontaires et professionnels coordonnèrent leurs efforts sous la direction du lieutenant Grandcyr, commandant le centre de Dieppe. Autour de 2 exercices ayant pour thème l'extinction d'un feu de solvant, en stockage et la fermeture d'une vanne située dans un tel feu. Ce dernier exercice, qui se déroulait sur l'un des parkings, compris tout d'abord la fermeture de la vanne par un pompier entièrement protégé par une tenue en amiante, puis la fermeture de la même vanne par un autre pompier simplement protégé par des gants en amiante, mais fortement appuyé par des lances projetant du produit émulseur. En 1971, la société est intégrée dans Rotpoulenc Film, une des branches de Rotpoulenc SA. À partir de 1975, la rentabilité est fortement affectée par l'accroissement du coût consécutif au choc pétrolier. Après la fermeture de l'usine de Rayonne, l'usine Regma, spécialisée dans les rubans de transfert thermique pour tout type d'imprimantes couleur, a fonctionné seul jusque dans les années 90. La population baisse légèrement et la ville assiste aussi à son déclin industriel. Ce site industriel a marqué profondément la vie de la commune. Ce site, qui avait connu à la suite diverses raisons sociales, telles la viscose, la cellophane, Rotpoulenc Système, Regma SA, Regma Solutions, sera la dernière liquidée. Faute de repreneur, mettra les clés sous la porte en 2002. Dans la foulée, de petites unités se sont installées. Regma Transfert Thermique et Normandy Clothing. L'aventure industrielle arcaise se termine au début des années 2000. Pendant près d'un siècle, ces grosses entreprises se sont succédées, durant lequel l'environnement ne faisait pas partie des priorités. Ce site devient alors une vaste friche industrielle
où la majeure partie des installations de la viscose reste encore à aménager. Des études de 2008 ont révélé des traces résiduelles de pollution, des solvants, métaux lourds, hydrocarbures et rejets industriels. Il faudra attendre plusieurs années et la création de la communauté d'agglomération de Dieppe Maritime pour que le site soit finalement réhabilité. Aujourd'hui, en 2020, il accueille de petites structures dans les anciens bureaux, laboratoires et annexes sociales de la viscose. La commune d'Arc avait fait le premier pas en 2004, en réhabilitant le bâtiment directeur, avec l'aide de Forgeknor 2000. Il accueille désormais le Centre communal d'action sociale, la PMI et le vestiaire solidaire de l'espace Georges Turin. Nous trouvons une entreprise de déco-design publicité. Dieppe Maritime et la CCI de Dieppe ont ensuite repris le relais, en prenant à leur charge la transformation des autres locaux. Dans ces murs, une antenne de la Chambre d'agriculture et des métiers ont également pris place. Et aussi Seine Maritime Activité, regroupant divers bureaux informatiques tournés vers le futur. Digital Manufacture Innovation, Dieppe Normandie, vise à devenir un laboratoire high-tech, avec espaces de formation dans le domaine du numérique, coworking et mise en place d'imprimantes 3D. C'est tout un site qui renaît. Ans plus tard, les sociétés RTT et Normandie Coactin sont toujours présentes. Elles ont été rejointes par la LRS Chaudonnerie Lucien Rodary. Si l'histoire est un perpétuel recommencement, le site Regma pourrait bien redevenir un nouveau quartier de travail et de vie.